Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bon, vous excuserez ma tête dégueulasse, mais bon, je crois que ça se voit que je sors de la douche. Du coup, aujourd'hui, on est le mardi 17 août, donc ce soir, on part à La Motte pour aller du coup au Sologne Pony. J'ai trop hâte, mais je suis aussi super stressée. Du coup, je vais vous emmener avec moi. Là, il est 13h, je crois. Je suis en train de faire mes affaires et tout, j'ai fait mes cuirs, etc. Je vais finir de faire mes affaires et on part des écuries vers 6h je pense à peu près, le temps de tout charger etc. Et on a 1h30 de route donc on arrivera vers 20h à peu près, un peu moins environ quoi, à La Motte. J'ai trop hâte de vous filmer tout ça et on se retrouve dans la suite. Du coup, je retrouve pour le premier jour, mon premier tour du coup avec Espace dans cette Poney Elite D, du coup un critérium. Enfin bref, la détente était un peu pourrie, le tour vraiment pas facile pour nous, mais vous allez voir qu'on s'en est bien sorti. Du coup, on va sur le 1, hyper décontracté, hyper calme, vraiment super contente. Mais du coup, je mets pas forcément mes jambes au bon moment et il fait la barre sur le 1 parce que il est pas assez dans le galop. Enfin bref. Ensuite, on va sur la ligne 2 et 3. Pareil, nickel. Je reprends bien entre les deux pour qu'on s'éloigne bien du vertical. Après la ligne, on aborde notre première option avec l'Auxerre numéro 4 qui se passe très très bien. Derrière, je reprends tout de suite pour faire une ligne courbe, le 5. Pareil, super. Là, ça devenait un peu compliqué car la combinaison était assez courte, donc fallait bien que je le reprenne. Mais je suis très contente parce qu'il a super bien fait le contrat alors que c'est assez dur pour lui. Ce vertical-là, je tiens pas bien mes épaules, du coup je passe un peu devant. On a eu de la chance qu'il fasse pas la barre. Derrière une ligne toujours un peu courte, mais la place était très bonne. Deuxième option. Bon là j'évase un petit peu trop pour aller sur mon double, pareil, qui était assez court mais qu'il a extrêmement bien sauté. Ligne courbe, Auxerre qu'il a très bien sauté aussi. Et ensuite le dernier qui me faisait vraiment très très peur, un vertical blanc comme ça sans rien derrière, c'est un peu flippant. Mais il le passe très très bien et on s'en sort en 4 points. Ensuite l'après-midi j'ai rien fait de très passionnant, j'ai aidé mon ami à s'occuper de ses chevaux, j'ai mis de l'argile à Espace, le soir vous allez voir je lui ai enlevé, je m'en suis occupée, je lui ai mis du foin à manger, je l'ai sorti etc. Et voilà. Et c'était donc parti pour la deuxième journée, donc pareil, on donne à boire, petit déj, on donne à manger et voilà. Et vers midi, c'était parti pour mon deuxième tour, du coup, un tour relativement plus facile que la veille, avec des combinaisons un petit peu moins courtes, et voilà, donc le 1 et le 2, nickel. Derrière cet Auxerre, je le redresse bien, je prends bien le temps de l'équilibrer pour aller sur le vertical pour éviter qu'il vienne trop près.
Ensuite, sortie de tournant, une entrée verticale qui faisait bien peur. Et au final, ça se passe bien, même si je viens un peu dans le pied sur le 6. Pour le triple, il était assez court, donc à l'auxerre je rééquilibre bien, mais entre les deux, je rééquilibre pas assez, du coup il fait la barre parce qu'il était un peu trop près. Et vous allez voir, je fais la même faute en sortie de double, donc une barre sur le dernier, l'auxerre, parce que bah, Espace il a une forte action et du coup c'est difficile pour lui de se caler dans les poulet poney, mais en As-2 ce sera beaucoup plus facile. Après avoir regardé quelques tours, on a fait les affaires et puis on a ramené Espace et on est rentré à la maison. Bon, encore une fois, je suis désolée pour ma tête. Je viens après montage pour vous faire un petit... Ah, j'en ai marre, tout le monde envoie des notifs. Je disais, je viens après montage du coup, pour vous faire un petit récap de ce week-end. Enfin, du coup, là, ça fait déjà une semaine. Enfin, bref, je tourne cette vidéo après être partie. Enfin, le jour où vous allez... Bref, je tourne cette vidéo très tard. Donc, voilà, la récap du soleil, du coup. C'est un de mes meilleurs concours, sincèrement. Je trouve que j'ai pas mal progressé dans ma monte avec Espace. Espace a merveilleusement bien sauté. Toutes les places étaient bonnes. Enfin, j'ai jamais eu un des tours aussi propre, aussi construit. Enfin, vraiment, je suis super contente. Je me suis pas trop mis la pression parce que j'avais peur de ça aussi. Mais vraiment, les fautes sont vraiment pas représentatives du boulot, quoi. Genre, vraiment, je suis trop heureuse. Et du coup... Ben, on va continuer sur le circuit TDA et on va commencer les As-2. Donc voilà, je suis vraiment hyper heureuse. J'attendais vraiment que ça. Et voilà. Ça va bientôt faire un an que j'ai eu Espace et je suis vraiment très heureuse avec lui. Vraiment, il me comble. Et bref, c'est trop bien. Je suis vraiment super heureuse. Et on va arrêter de s'étaler là-dessus. Je vais vous laisser. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.